Signer son premier client, c'est l'étape obligatoire pour lancer réellement son activité. Mais comment faire quand on démarre de zéro? Comment ont fait les autres pour signer leur tout premier client? Ça tombe bien, je vais tout te révéler dans cette vidéo. Je vais t'expliquer exactement comment signer ton premier client OBM en 30 jours. C'est une méthode que j'ai perfectionnée après avoir aidé des centaines d'entrepreneurs à décrocher leur premier client. Aujourd'hui, je vais te partager avec toi les stratégies précises qui ont fonctionné pour eux, qui ont fonctionné pour moi et qui, je le sais, vont fonctionner également pour toi. Mais attention, signer rapidement un client, ça ne se fait pas au hasard. Il te faut une stratégie solide et un plan d'action bien défini. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner de conseils bateaux, je vais te montrer comment tu peux signer ton premier client sans t'embarquer dans des stratégies marketing compliquées, ni te ruiner avec des dépenses en publicité. J'en ai jamais parlé sur les réseaux, tu ne trouveras ces infos que dans cette vidéo. Donc reste bien avec moi jusqu'à la fin et c'est parti. La première chose à faire, c'est de définir ta stratégie. Signer son premier client en 30 jours, ça ne s'improvise pas. Tu peux pas partir tête baissée sans avoir un plan d'action clair et précis. Si t'as pas de stratégie, tu risques de te disperser et de perdre du temps sur des actions qui ne t'amèneront aucun résultat. Pour élaborer une stratégie efficace, t'as besoin de 1. Un objectif à atteindre précis, le quoi. Un tunnel de prospection, le comment. Un positionnement, le qui. Et un canal d'acquisition, le où. Donc pour commencer, tu l'as compris, c'est essentiel de définir un objectif. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu souhaites signer ton tout premier client en tant qu'OBM. Donc on va repartir de cet objectif, c'est-à-dire signer un client en l'espace de 30 jours. Ensuite, il va falloir que tu comprennes ce qu'est un tunnel de prospection, comment fonctionne un tunnel de prospection. Il y a beaucoup d'OBM qui se lancent et qui font l'erreur de foncer tête baissée dans des stratégies marketing long terme en espérant que ça va leur permettre de signer et de trouver leur premier client. Elles se mettent à créer du contenu sur les réseaux sociaux en espérant que ce fameux premier client va arriver tout seul après avoir lu un de leurs posts. Si tu veux signer ton premier client rapidement, oublie ça et concentre-toi sur ce qui fonctionne réellement, c'est-à-dire la prospection. Mais avant de te lancer dans la prospection, c'est important que tu comprennes les étapes d'un bon tunnel de prospection. Parce que l'erreur la plus courante quand on prospecte, c'est d'envoyer quelques messages par-ci, par-là, et d'attendre de nouveau que finalement les clients tombent tout seuls du ciel. Ton tunnel de prospection, il doit rester simple. En gros, il doit être composé de 1. Créer des connexions. 2. Engager des conversations. 3. Obtenir des calls. Et 4. Convertir ces calls en clients. Plus tu vas placer de personnes au début de ton tunnel, donc en haut de ton tunnel, plus tu augmentes tes chances d'obtenir des appels et donc en fin de parcours d'obtenir des clients. Ici, il n'y a pas de place pour la chance, c'est juste une question de chiffres et de volume d'action. Mais pour être efficace, tu dois calculer combien de messages de connexion tu vas devoir envoyer, combien de conversations tu vas devoir engager avec des prospects, combien d'appels tu vas devoir obtenir pour finalement signer ce client. Et pour ça, tu dois t'appuyer de tes taux de conversion entre chacune de tes étapes. Et justement, pour t'aider à visualiser ça un petit peu mieux, je vais te partager mon écran et te montrer un outil qu'on met à disposition dans notre communauté gratuite Road to OBM, que tu pourras d'ailleurs demander à rejoindre gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du reverse engineering. C'est-à-dire qu'on va partir de ton objectif, qui est de signer un client en 30 jours, et ensuite, on va calculer le nombre d'actions nécessaires pour atteindre cet objectif en fonction des taux de conversion à chacune des étapes. Je te rassure tout de suite, si tu débutes tout juste et que tu ne connais pas encore tes taux de conversion, pas de panique, on va partir en faisant des hypothèses avec des taux standards et tu pourras bien sûr, par la suite, les affiner. Donc comme je te l'ai dit, on va partir de ton objectif qui est de signer un client dans les 30 prochains jours. Et en mettant ton objectif juste ici, tu vas voir que ça va calculer automatiquement en fonction de certains taux de conversion. Comme je te l'ai dit, on va partir sur des standards. Le nombre d'actions que tu vas devoir réaliser. Là, ce qui est intéressant, c'est que d'après le calcul, d'après le tableau, si tu souhaites signer un client en moins de 30 jours, dans les 30 prochains jours, avec un taux de closing en moyenne de 30%, il va falloir que tu fasses au minimum 3 calls pour obtenir un client. Ce qui est intéressant également, c'est que pour obtenir ces 3 calls, il va falloir que tu converses, que tu échanges réellement avec des prospects, donc que tu inities 17 conversations pour obtenir justement ces fameux 3 calls de vente. Ces 17 conversations, ils sont calculés par rapport à un taux de conversion, donc ton taux de conversation que tu vas transformer en call qui va être de 20%.
On va faire la même chose à chaque étape. Et comme tu peux le voir, eh bien, pour réussir à engager 17 conversations, donc 17 conversations avec des prospects pour obtenir ces fameux 3 calls, il va falloir que tu rentres en contact avec 67 prospects potentiels dans ta cible. Et là, encore une fois, on est parti sur un taux de conversion classique de 25%, donc ce sera ton taux de transformation de contact en conversation, c'est-à-dire tu vas générer des contacts, donc tu vas rentrer en contact avec des prospects. Ces prospects, tu vas leur envoyer un message pour engager la conversation. Et en gros, ce taux de conversion, il va simplement t'indiquer combien de prospects vont répondre et avec qui tu vas pouvoir échanger réellement lors d'une vraie conversation. Donc, ces fameux 17 conversations requises pour obtenir tes 3 calls. Et surtout, ce qui est intéressant, ce qui est important plutôt, c'est que ce nombre de contacts, on va quand même vouloir appliquer un taux d'erreur, une marge d'erreur. Là, on va mettre une marge d'erreur de 20%. Pourquoi ? Parce que il y a parfois, en fonction de la méthode de prospection que tu vas vouloir utiliser, tu vas tomber dans les spams si tu utilises des mails. Tu vas également avoir, parfois tu vas tomber dans les messages indésirables, que ce soit sur Instagram ou LinkedIn, les gens ne vont pas forcément voir ton message. Donc, on applique toujours une marge d'erreur pour être sûr de mettre toutes les chances de son côté. Donc en gros, plutôt que 67 contacts, si tu veux atteindre ton objectif de signer un client, il va falloir que tu prennes contact avec 80 nouveaux prospects ce mois-ci pour te permettre de générer effectivement 67 contacts qui vont te permettre d'avoir au minimum 17 réelles conversations avec tes prospects et qui vont te permettre d'obtenir ces 3 calls de vente qui vont te permettre d'aboutir à un client signé dans les 30 prochains jours. Ce qui est intéressant avec ce tableau, que tu pourras encore une fois obtenir gratuitement si tu rejoins la communauté Road to OBM en description de cette vidéo, c'est que plus tu vas t'améliorer, plus les taux de conversion que tu vas pouvoir rentrer ici, plus ils seront meilleurs. Par exemple, si tu as un taux de closing de 40, ça va faire modifier ici le nombre de contacts que tu vas devoir générer en haut de ton funnel. Donc en gros, plus tu vas améliorer tes taux de conversion à chaque étape, moins tu auras besoin de contacts, donc de prospects en haut de ton tunnel. Donc plus tu t'améliores, plus tu passes à l'action, plus tu pratiques, moins d'actions de prospection tu auras besoin de réaliser. Comme tu peux le voir ici, on laisse pas de place à la chance. C'est qu'une question de volume, mais surtout une question de persévérance. Maintenant que tu es au clair sur le tunnel de prospection que tu vas utiliser et que tu as calculé le nombre d'actions à faire nécessaires pour atteindre ton objectif, il faut que tu définisses ton positionnement. Sans un bon positionnement, tu risques de perdre du temps à prospecter des personnes qui ne sont pas intéressées par tes services. Un positionnement, c'est l'intersection entre deux choses, un qui et un quoi. Le qui, ça correspond à ton client idéal, qui il est, dans quel secteur d'activité il exerce. Et le quoi, c'est ton message, c'est la solution que tu vas lui apporter à travers ton offre. Et pour t'expliquer ça en détail, je te propose de visionner un court extrait d'une vidéo d'un des modules de notre programme d'accompagnement OBM Squad, dans laquelle Sam, mon associé, expert en marketing et vente, explique justement ce concept à nos membres. Avant de choisir déjà, on va commencer par comprendre réellement ce qu'est le positionnement. Parce qu'on parle tout le temps du client idéal, tous les programmes business, tous les accompagnements, ils commencent par ça. Mais à chaque fois, on ne parle qu'une seule partie de l'équation. D'accord ? Un client idéal, un avatar client tout seul, ça ne sert strictement à rien. Au contraire. Donc un positionnement, c'est l'intersection de deux choses. Un qui et un quoi. Ok ? Donc, le qui et le quoi. Donc, qu'est-ce que c'est que le qui ? Le qui, c'est mon marché, donc le domaine, le secteur d'activité du client, le type de client, en face duquel on va mettre un message. Ok ? Et dans ce marché, on s'adresse avant tout à des personnes. On ne s'adresse pas à un marché, on s'adresse à des personnes qui rencontrent des problèmes. C'est aussi simple que ça. Votre positionnement, c'est l'intersection de ces deux choses. Si vous n'avez que le qui, vous n'avez pas de positionnement. Si vous n'avez que le quoi, vous n'avez pas de positionnement. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ont le quoi. Je suis OBM, je suis AV. Je suis machin, mais j'ai pas de qui.
Ou alors, il y en a qui ont le qui, mais le quoi, il n'est pas bien défini parce qu'ils ne connaissent pas les problématiques de leurs clients, donc ils ne peuvent pas avoir le bon message. Donc nous, on va être focus sur l'essentiel. On veut comprendre à qui on s'adresse, dans quel marché cette personne est, où elle en est, qui est vraiment cette personne, et surtout derrière, quel problème elle rencontre, puisque c'est ça qui va définir notre message. Et notre message, c'est pas ce que nous on fait, c'est ce que ça veut dire pour eux. Ce qu'il faut que tu retiennes ici, c'est que définir son positionnement, c'est avant tout une question de choix. C'est très probable que tu aies plusieurs hypothèses au début, et c'est tout à fait normal. Mais si tu veux que tes actions soient efficaces, c'est indispensable de trancher. On a souvent l'impression que choisir, c'est renoncer, mais la réalité, c'est que c'est tout le contraire. En choisissant un positionnement clair, tu vas améliorer tes stats de conversion, comme on l'a vu tout à l'heure, et donc tu vas maximiser tes chances de signer ton premier client rapidement en tant qu'OBM. Au contraire, en refusant de choisir, tu renonces à tes chances de signer ce premier client rapidement. Ensuite, la dernière étape de ta stratégie, eh bien, elle doit consister encore en un choix, celui de ton canal de prospection. C'est encore une fois essentiel de choisir un seul canal de prospection au début. Sinon, tu vas te disperser, tu vas diluer tes efforts et tu vas réduire tes chances de succès. Ici, le maître mot, c'est focus. Donc, choisis une plateforme, celle sur laquelle ta cible, ton client cible est présente. Par exemple, si tu cibles des entrepreneurs dans le B2B, LinkedIn, a priori, ça devrait être le meilleur choix. Si tu cibles des créateurs de contenu, des coachs, peut-être qu'Instagram ou Facebook, ça va être plus adapté. Là, c'est à toi de faire ce choix. Donc, tu vas identifier quelle plateforme, sur quelle plateforme est ta clientèle cible et tu vas concentrer tes efforts uniquement sur cette plateforme. Une fois que tu auras choisi ta plateforme, il va falloir que tu optimises un petit peu ton profil. Pour ça, c'est très simple, encore une fois, ton profil il doit répondre à trois questions concrètes. Est-ce que ça s'adresse à moi ? Donc quand ton prospect vient visiter ton profil, il va devoir répondre à cette question, il va se poser cette question. Est-ce que ça s'adresse à moi ? Donc en gros, à quelle cible cette personne s'adresse ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? En gros, là, ce sera ta promesse. Et qu'est-ce que je dois faire si je veux aller plus loin ? Un call to action. Ça aide ton prospect à savoir si t'es la bonne personne pour l'accompagner, qu'est-ce que tu peux faire pour lui et comment poursuivre la conversation avec toi s'il est intéressé d'aller plus loin. Ok, maintenant ta stratégie est posée, elle est définie, mais qu'est-ce qu'on fait après ? La prochaine étape, elle est super importante si tu veux signer ton premier client en moins de 30 jours. On va préparer ton système de prospection et je te donnerai même le plan d'action complet à suivre pour passer facilement à l'action. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si tu veux mettre toutes les chances de ton côté et te faire accompagner pour lancer et développer ton activité d'Online Business Manager, tu peux réserver un call avec nous. Le lien se trouve en description de cette vidéo. On a déjà aidé plus de 200 assistantes managers et freelances de l'opérationnel à vivre pleinement de leur activité grâce à notre programme OBM Squad, qui est le fruit de toute notre expérience passée sur le terrain. Et on sera bien évidemment ravis de t'aider à en faire de même. Donc, tu l'as compris, il est temps maintenant de préparer ton système de prospection. Avoir un système de prospection, c'est essentiel si tu ne veux pas réinventer la roue à chaque fois. Pour être efficace dans ta prospection, tu dois suivre et exécuter un système et l'ajuster en fonction des retours que tu vas obtenir. Encore une fois, ici, on va laisser aucune place à la chance. On va émettre des hypothèses que l'on va tester sur le terrain et les retours que l'on obtient nous permettront d'ajuster nos actions. En fonction de ton profil, tu vas aussi vouloir adapter ton système de prospection. Par exemple, dans OBM Squad, on propose deux systèmes distincts en fonction des profils de nos membres. Le premier, c'est pour ceux qui ont encore du mal avec la prospection et qui ne sont pas forcément encore au clair avec leur clientèle cible. Et le deuxième, c'est pour ceux qui sont à l'aise avec la prospection et surtout qui connaissent déjà bien leur cible. Pour te donner un exemple de ces deux systèmes, le premier système, c'est celui que l'on appelle l'entretien alibi. Et ce système, il est composé de plusieurs étapes. En premier lieu, on va envoyer des demandes d'invitation. En deuxième lieu, on va faire des interviews, donc des calls avec nos prospects pour en apprendre plus sur leurs problématiques. Et en troisième lieu, on va proposer une restitution. Ce système, il est conçu pour ceux qui ont besoin d'apprendre un peu mieux à connaître leurs cibles, qui ne sont pas encore au clair sur leur positionnement. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de discuter concrètement avec ces prospects. Je ne parle pas ici d'envoyer des formulaires que tes clients vont pouvoir remplir de leur côté. Je parle vraiment de faire des calls avec ces personnes pour les faire parler et creuser pour connaître réellement quelles sont leurs problématiques au quotidien et de quoi est-ce qu'ils ont concrètement besoin. Donc on va donc vouloir inviter des prospects,
lors d'un échange rapide pour en apprendre plus sur eux. Et une fois le premier entretien avec ce prospect réalisé, on leur proposera un second appel pour leur apporter de la valeur. Et s'il y a un véritable besoin et surtout un bon fit avec ce prospect, eh bien on leur proposera éventuellement d'aller plus loin et de conclure avec nous une collaboration plus ou moins long terme. Le deuxième système de prospection, c'est ce qu'on appelle la prospection structurée. Celle-ci, eh bien, encore une fois, elle est composée de plusieurs étapes. On va envoyer des demandes de connexion, ensuite on va vouloir envoyer des messages d'introduction pour générer des conversations. Et ensuite, une fois que les conversations eh bien, auront lieu, on va, pour les prospects qui seront qualifiés, envoyer des invitations à un appel. Une fois ces invitations envoyées, eh bien, on va également un élément important de la prospection, on va vouloir avoir une étape de relance. Car comme on dit, the money is on the follow-up. Ça, c'est souvent très négligé par beaucoup de personnes. Ils envoient des messages de façon un petit peu systémique et rythmée, mais ils oublient de relancer les prospects. Alors que la majorité des gens, comprenez bien que les chefs d'entreprise que vous contactez sont très sollicités et parfois juste avec une petite relance bien tournée qui les fait parfois même rire, eh bien ça suffit à relancer la conversation et parfois à aboutir également à un call. Et donc ce système, comme je te l'ai dit, le deuxième système, il est conçu pour les personnes qui savent déjà à qui elles s'adressent et qui sont donc en mesure d'aller plus droit au but, entre guillemets, puisqu'elles connaissent déjà les problématiques spécifiques de leur cible. Et là encore une fois, plus tu auras un positionnement qui est clair, plus tu vas mettre toutes les chances de ton côté eh bien, d'avoir des prospects qualifiés pour tes offres. Puisque se contenter de se coller l'étiquette d'OBM, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à un prospect pour comprendre ce que tu vas concrètement lui apporter. Quand tu te contentes de te coller l'étiquette d'OBM et de vendre du coup ton activité, tu te noies dans la masse et surtout tu t'enfermes dans un rôle d'exécutante. Car quand tu te contentes de vendre ton activité, tu es payé pour exécuter cette activité. Et comme tu es payé pour exécuter cette activité, tu es payé en fonction du temps passé à exécuter cette activité. Et comme tu es payé en fonction du temps passé à exécuter cette activité, le client il te demande ton taux horaire. Et donc, tu es perçu comme un coût. Alors que quand tu as un positionnement clair avec des offres qui apportent une solution concrète aux problématiques de tes clients, tu es payé en fonction du résultat qu'apporte cette solution. Et comme tu es payé en fonction du résultat qu'apporte cette solution, tu es payé en fonction de la valeur qu'apporte ce résultat. Et comme tu es payé en fonction de la valeur qu'apporte ce résultat, le client, il te demande ton prix et tu es perçu comme un investissement, puisque le client, il va faire un calcul simple de retour sur investissement. Je pense que tu as compris la mécanique. Bon, on a la base de ton système de prospection, mais ça ne suffit pas. Pour exécuter ce système, tu dois au préalable également préparer les messages que tu vas envoyer à chacune des étapes. Attention ici, tu n'as pas envie d'envoyer des messages robotisés, vus et revus par toutes les personnes qui ont l'habitude de se faire prospecter et que plus personne ne peut voir. Tu dois vraiment être en mesure de te créer une trame qui va être prête à l'emploi, mais surtout tu dois être en mesure de la personnaliser pour chacun de tes prospects. Pourquoi est-ce que tu veux préparer une trame ? Parce que, je me répète, la prospection, c'est une question de volume et de persévérance. Donc si tu dois réinventer la roue à chaque fois et repartir d'une feuille blanche, tu ne tiendras pas sur le long terme. Ton but, c'est de créer de véritables conversations avec les gens. Donc c'est pour cette raison que je te dis que malgré ta trame, il va falloir que tu adaptes tes messages à ta personnalité et également aux prospects à qui tu les envoies. Dans OBM Squad, par exemple, on donne à nos membres des templates qu'ils peuvent personnaliser, des templates prêtes à l'emploi. Ça les aide à se lancer et surtout, ça leur fait gagner énormément de temps. On ne se contente pas de leur donner des templates, on les aide également bien sûr à les adapter, à les retravailler pour les optimiser dans la communauté ou pendant les sessions de coaching hebdomadaires. De cette façon, ils peuvent améliorer leur taux de conversion entre chaque étape, rappelle-toi du tableau que je t'ai montré. Ils deviennent de plus en plus efficaces à mesure qu'ils passent à l'action et, comme je te l'ai dit également tout à l'heure, ils ont besoin du coup de moins de prospects en haut de leur tunnel pour signer en bout de tunnel des clients. Pour conclure, je te propose de récapituler les actions concrètes que tu dois mettre en place pour signer ton premier client en 30 jours. Tu auras ainsi un plan d'action qui te servira de guide pour ne pas te disperser et te concentrer uniquement sur les étapes qui comptent. Voici les étapes essentielles pour atteindre ton objectif. Première grande étape, fixer ton objectif et faire tes maths. Tu vas commencer par calculer précisément ce que tu veux accomplir. Et là, ton objectif, il est simple, c'est signer ton premier client en 30 jours. Et pour rendre ça possible, tu dois faire tes maths et savoir identifier combien de contacts il te faut
combien de conversations tu vas devoir avoir et combien de calls de vente tu vas devoir faire pour atteindre cet objectif. De cette façon, tu vas pouvoir répartir tes actions dans ta semaine. Deuxième élément, il faut que tu choisisses ton positionnement. Il faut que tu sois au clair avec ton positionnement. Qui est-ce que tu veux aider? Quelle problématique tu vas résoudre pour ces clients? Parler à tout le monde, c'est parler à personne. Donc si tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour signer ton premier client OBM rapidement, tu dois choisir, tu dois trancher et définir un positionnement clair. Ensuite, tu vas choisir ta plateforme de prospection. Et donc là, tout ce qu'on veut éviter, c'est la dispersion. Donc ne te disperse pas sur plusieurs canaux en même temps. Choisis une plateforme sur laquelle se trouve ta cible, peu importe que ce soit LinkedIn, Instagram, Facebook ou autre, et concentre tous tes efforts dessus. Une fois que tu maîtriseras un canal et que tu l'auras rodé, tu pourras par la suite explorer de nouveaux canaux. Puis tu vas préparer tes messages de prospection. Ton système de prospection, il doit être bien rodé et il ne doit pas laisser de place à l'hésitation ou à la chance. Tu vas préparer des messages types pour que chaque étape du processus, donc la connexion, l'introduction, l'invitation à un appel, également tes messages de relance. Et n'oublie pas, encore une fois, à cette étape très important, que tes messages, ils doivent être personnalisés et en accord avec ta personnalité pour créer des connexions réelles avec tes prospects. Et enfin, la dernière étape, eh bien, il va falloir que tu passes à l'action. Une fois que tu as tout ça en place, il est temps de te lancer. Envoie tes premières demandes de connexion, commence à avoir des réelles conversations avec tes prospects et sois régulière dans tes actions de prospection. C'est le volume d'actions répétées qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Et encore une fois, ici, le maître mot, c'est la persévérance. La persévérance, c'est la clé dans ce processus. Tu ne dois pas t'arrêter au premier refus ou à tes premières non-réponses. C'est tout à fait normal et ce n'est pas du tout un signe d'échec. L'important ici, c'est l'itération. C'est d'apprendre à chaque itération et d'améliorer ton approche au fur et à mesure. Comme je le dis souvent, tu ne sauras pas ce qui fonctionne tant que tu n'auras pas essayé. Et je me souviens moi-même quand j'ai démarré, je me suis fixé un objectif ambitieux d'obtenir au moins 5 appels par semaine. Et pour ça, j'ai dû envoyer des centaines de messages. Et je te rassure, j'ai moi-même essuyé énormément de refus, mais j'ai persévéré. Et avec l'aide de Sam, il m'a aidé à ajuster petit à petit mes messages, à les personnaliser, à les optimiser, à également optimiser ce que je pouvais dire lors des appels de vente, et ce qui m'a rapidement permis de m'améliorer, d'améliorer mes taux de conversion, et donc d'obtenir plus de résultats. Donc ce que je veux vraiment que tu retiennes de cette vidéo, c'est que tu ne laisses pas tomber et que tu persévères. C'est qu'une question d'itération et tu ne sauras pas quoi améliorer tant que tu ne seras pas passé à l'action. Si tu souhaites qu'on t'accompagne dans ce processus, comme je te l'ai dit plus haut, tu peux prendre un appel avec nous grâce au lien qui se trouve en description de cette vidéo pour qu'on t'aide, qu'on te guide à atteindre tes objectifs rapidement. Et je sais que tu en es capable. Je suis passée par toutes ces étapes que tu traverses et je me suis aussi posé énormément de questions. J'ai souvent douté de mes capacités, je me posais souvent la question, est-ce que je vais vraiment réussir un jour? Mais tout a changé pour moi le jour où j'ai décidé de demander de l'aide et d'arrêter de tout vouloir faire toute seule. Aujourd'hui, je vis la vie dont j'ai toujours rêvé. Je travaille d'où je veux, je vis entre le Portugal et l'Amérique centrale et je suis libre surtout de choisir mes horaires. J'ai la liberté de pouvoir m'occuper de moi, de m'occuper de ma fille l'après-midi, de la voir grandir. Et si j'y suis arrivée, tu peux le faire aussi et je vais tout faire pour t'y aider. Donc prends cet appel avec nous dans la description et j'ai vraiment hâte qu'on puisse t'aider à enfin t'épanouir dans ton travail et surtout à atteindre la vie que tu mérites, la vie que tu souhaites. Et avant de partir, je t'invite à aller voir ma précédente vidéo où je te partage une journée complète dans ma vie d'online business manager. Je te montre en détail une journée dans ma vie de maman et d'entrepreneur et comment je m'organise, comment j'organise mon quotidien pour profiter de chaque instant en famille. Clique au-dessus de cette vidéo pour la découvrir et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de conseils concrets.